Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 14e épisode de notre Let's Play sur Mario Galaxy sur Wii. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve toujours dans la chambre, on était la dernière fois. On avait terminé la galaxie des jardins venteux et on avait commencé le vote Kanglas. On s'était pas mal amusé, on a vu une comète, on a eu des moments rigolos, des moments failesques. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le voir. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me signaler le moment épique et les failles avec les hashtags associés, hashtag épique, EPIC, hashtag fail et fail, plus le moment exact que vous voulez voir ajouté à la compile. Je vous rappelle aussi que si vous regardez ça dans votre champ, vous pouvez mettre le hashtag champ dans vos commentaires et vous pouvez également parier sur le nombre de game over ou de vies que nous aurons à la fin quand nous affronterons Bowser. Sur ces bonnes paroles, on va retourner dans le volcan de glace pour le 3e épisode. Alors attends, la question qui tue, y a-t-il une étoile cachée quelque part? On le saura après. Morsure du froid, brûlure du feu. J'ai envie de dire jusque-là tout est... Oh, d'accord. Ok, donc c'est le parcours qu'on a fait contre notre double en version entre guillemets standard. On va peut-être éviter de patiner là sur cette partie. Je vais peut-être la jouer un peu plus prudent. Je suis un peu obligé si je veux passer par là. Donc, ouais non, tu veux éviter de patiner mais le jeu est fait tu vas patiner lol. Allez. Salut. Ok, on va essayer de voir si on... Oh, sympa cette planète. Oh, qu'est-ce que le jeu a... Ok. Il va falloir qu'on... Ok, il faut qu'on trouve une fleur de feu pour allumer ces torches. Déjà, première chose... On prend des points de vie supplémentaires. Sors de l'eau, mon petit Mario. Sors de l'eau. Sors de l'eau. Sors de l'eau. Merci. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Non, non, non. Faut que tu sors de l'eau. Faut que tu sors de l'eau, mon petit Mario. Sors de l'eau. Tout ça pour un bloc, hein. Ok, c'est des fragments d'étoiles. Eh ben, on va prendre les fragments d'étoiles. Et si je donne un... attends. On va attendre que l'ordre... Ok, il y a une vie ici. Hop, je prends la vie supplémentaire, merci. Tu t'accroches quand tu veux, Mario. Merci. Non. C'était pas loin. Allez. Voilà. Ah d'accord, il y a un truc là. Ok, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de continuer. C'est ce que Toto il aurait fait, Toto il aurait continué. Là je pense qu'il va falloir aller récupérer une fleur de... Ouais, il faut récupérer la fleur de feu qui est là. Et la ramener. Pour allumer les torches. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Des fragments d'étoiles, très bien. Je vais me prendre un coup de flamme, je vais me prendre un coup de lave évidemment. Un seul. Ok, bon, au moins on annule les dégâts qu'on vient de prendre, c'est pas une mauvaise chose. Donc il y a ce truc là activé, mais je vais donner un coup sur tous ces... Attends. Ça va aller dans la lave ça ou pas? Ouais, ça y va. Ok. On n'a pas été assez patient. Problème récurrent ça. Parce que ça nettoie, c'est un problème récurrent. Non. 1, 2, 3. Hop. Bon, ça par contre j'aurais peut-être pu me passer du deuxième. Ça. Il faut que je fasse vite. Est-ce que. Je vais mourir là, je crois. Non, non! Oui! Oui! Je t'aime le bloc de pierre! Je t'aime, je veux te faire des bébés! Je veux te faire des bébés le bloc de pierre! Et maintenant, en plus de ça, faut pas marcher dans l'eau. Évidemment, Mario Feu plus eau égale Mario. Allez, on se casse! Surtout que c'est une nouvelle planète, c'est une fin de nouveau... Ok, on arrive au bon endroit. Oh punaise!
C'était tellement pas calculé ce qui s'est passé. Oh nice, je kiffe. Allez, on prenne un peu de vitesse. En fait, l'idée c'est d'aller d'une section de glace à une autre. Une pièce, yes. Hop, voilà, pour passer d'une glace, sort de glace à une autre. Tant pis pour la vie, là je veux vraiment foncer. Ah, doucement, parfait, 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 ça passe. Allez, peut le faire. Hop, et à moi l'étoile, yes. Elle était fun cette étoile. Elle était fun. C'est quoi le temps qu'on revienne? Moi je vous dis à votre santé. À foif. Oh. Yeah. 53ème étoile. Bien sûr, nous allons sauvegarder. Alors, est-ce qu'il y a une étoile mystère qui a popé à un étoile ou à un épisode ou pas? Je dirais premier épisode. C'est vrai que le premier épisode, on a foncé jusqu'au boss, mais il y a plein de coins qu'on n'a pas été explorés. Yep. Effectivement, c'est ce qui me paraît le plus logique. Bon, on va refaire la course contre le petit con. Mais ouais, je vais t'apprendre à respecter tes aînés, sale jeune, tu vas voir. Voilà. Ça c'est fait. Ouais, je pense qu'il y a tout un coin qu'on n'a pas exploré, genre... Ah, je crois savoir ce qu'il faut faire pour cette étoile. So, voilà, moi j'ai fait le chemin direct, mais regardez tout le chemin qu'il y a sur la droite ici qu'on n'a pas été exploré. C'est là qu'il faut qu'on aille. Là, je pense que je vais y aller en mode fonce dans le tas. Je dirais qu'il faut probablement ouais, passer par ce truc là. Et je dirais qu'il nous faudrait aussi une fleur de glace. Effectivement. Ah, plusieurs chemins. Oh mais dis donc, espèce de saleté radioactive. Allez, on va aller prendre le... Non, c'est pas grave, c'est pas grave, ça met plus ou moins dans le bon sens. Ah, est-ce que c'est ça? Ah, je sais pas. Ah, c'est peut-être l'autre côté qu'il fallait prendre. Ah ouais, effectivement, c'est peut-être l'autre côté qu'il fallait prendre. Eh ben, on va faire les deux. Comme ça, c'est bien, ça fait de l'exploration. Voilà. S'il vous plaît. Attends. Évidemment. Ok, c'est bon. On évite les dégâts, c'est tout ce que je voulais. Oh, t'as eu une étoile là. Oh, merci. Et quand tu veux, hein, tu t'arrêtes de faire n'importe quoi, mon cher Mario. C'est toi qui le contrôle, espèce de bolet. Oui, c'est vrai. C'est temps là. Non, mais. C'est bon. Voilà, comme ça on arrive de l'autre côté de la planète. Oui, voilà. Ça, effectivement, ça me dit. Oui, voilà. Ça, c'est un coin qui me dit quelque chose. Comme dirait le canard. Oui, c'est un coin. Oui, voilà. Parce qu'on brûle plein de choses. Ah, saleté. Non, 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 mais laisse-moi faire trois pas avant de m'agresser. Mais. Ah, et puis évidemment, j'avais besoin du truc là. J'avais besoin de la fleur jusqu'ici.
porte, on l'a cherché. C'est parti. Mais putain de chiottes! Laissez-moi faire ce que j'ai à faire, bande de boulets. Allez, je me casse. Ok, on a encore plein de trucs à... Oh. C'est conceptuel ce qui nous attend. Donne-moi ça. J'ai dit donne-moi ça. Non, non. Va te faire en papa outé. Oh, ça va, ça va, ça va. Pas à 3. On reprend pas à 3 km, on reprend juste là, c'est bien. On va pouvoir passer comme ça. Oh! Il y a peut-être moyen de... Ouais, il y a peut-être moyen de skipper en faisant ça. Petite technique, petite drone strat défense. Non, non. Non, non. Allez vous faire voir les chauves-souris. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux passer, je peux passer, je suis passé. Et dis-moi que tu construis une étoile, toi. Non, tu contiens un anneau étoile, c'est bien. L'étoile est peut-être au-dessus. Mais d'où il me touche, là? Mais... Moi, je récupère un point de vie. Je suis pas d'accord. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ça passe pas, ça ne passe pas. Attends, attends, attends. Comme ça. Hop. Hop, ouais. Et puis j'entends le bruit de l'étoile, elle est là. Vous avez dit qu'il y avait une étoile là-haut. Et paf! Ça fait des chocs à pic. Ah bah, je crois que cette galaxie-là est plus ou moins terminée. On va pouvoir se diriger. C'était l'île sablonneuse, je crois. Eh bah, ben, on va pouvoir s'y diriger, ça fait zizir. La conquête de la montagne enneigée. C'est pas mal! 3000 fragments d'étoiles. Et toujours pas de Gwynfraluma qui apparaît. Et si ça se trouve, il n'y en a peut-être pas pour cette zone. Hein. Enfin bon, on a été habitué au fait qu'il y en ait. Alors, si on regarde. Roger Escalade, c'est bon. Jardin Venteux, c'est bon. Volcan de glace, c'est bon. Direction. Oh, attends, l'île. Oh, attends, l'île sablonneuse. C'est pas là où il y a un espèce de boss dans des sables mouvants avec Mario de feu ou un truc comme ça? Les vents du désert. On va très vite être fixé, je pense. Oula! Ah, d'accord. Ok. Les espèces de tornades. Très bien. Yes. Ça risque. Salut les Skellerex. Je suis sûr qu'il y a moyen de choper quelque chose. Là. Oh, remarquez, c'est toujours bien de prendre des pièces. C'est important les pièces. Oui, j'allais dire, tu sors du sable, mon cher Mario, s'il te plaît. Bon, 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 bon. Ok, il va falloir qu'on atteigne ce truc-là. Enfin, ce truc-là, ça s'appelle un tuyau. Oh, attends, 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 attends. Il y a quelque chose. Je veux observer. Ça va, c'est... Je vais juste m'assurer qu'on ne loupait pas genre une potentielle étoile secrète. Bon, ça va, c'est juste un champignon one-up. Ok. Oui. En plus, il faut qu'on se maintienne parce que c'est des sables mouvants. Qu'est-ce qu'il y a si je vais par là? Oh, ça peut valoir le coup. Alors, on grimpe, c'est mieux. Ok, là, on récupère une vie. Vous avez le droit de descendre, les gars, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il y a si je récupère ça? Oh. Ah bah, évidemment. Et en plus, en faisant ça, je suis pas récupéré ce que je suis venu chercher. Tout va bien! Ok, donc il faut appuyer sur ces blocs bleus. Hop. Ok, oh, ça fait apparaître plein de petits fragments d'étoiles, j'aime bien ça. Ok, ça va, merci. Vive l'attraction de ces trucs-là. Alors, comment ça se fait que ces machins ont leur propre attraction? Ça, j'aimerais bien comprendre
Ces espèces de planétoïdes du coup. Allez. En train de me dire on peut le faire bon. Allez Mario, tu peux le faire, Mario, tu peux le faire. Tu peux le faire mais tu l'as pas fait. Je crois que je me suis fait eu. Non, ici. Fais ça ici. Il a pas l'air con comme ça hein. Bon, je crois que je vais descendre tout de suite. Non, on... Attends, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Juste... Non, tu as le droit de tournoyer quand je tournoie la Wiimote, hein, mon cher Mario. Personne ne t'en voudra. Mais, bordel! C'est pas le moment de prendre ta pause syndicale. Ok, doucement. Le problème, c'est que Mario n'est pas lancé, donc du coup, on n'a pas de vitesse pour aller pour faire quoi que ce soit. Bouge, tu peux le faire. D'ailleurs, comme je dis, tu peux le faire alors que c'est moi qui contrôle, tu sais. Tant pis pour tous les fragments d'étoiles, je préfère arriver là-haut en un seul morceau. Attends, t'es en train de me... Non, non, non. Pose-toi sur les blocs. Les blocs, c'est un gage de sécurité. Oh. D'accord. Bah, je vais toutes leur exploser le pain pour. Oui. Oh punaise. Non, on prend ça et on se casse. Ah bah ça va. Au moins on apparaît pile au côté du truc qui nous amène vers la prochaine planète. Ouh. Dans la vie, il y a des cactus. C'est quoi ces monstres? Ils sont moches. On a déjà dit qu'ils étaient moches. Enfin, c'est le but d'un monstre. Hein. Si un monstre est beau, on peut pas vraiment appeler ça un monstre. Mais... Si je vous dis que j'avais pas fait de backflip, vous me croyez? Bon, j'espère parce que c'est... Allez. On vole vers la tornade. Voilà. Ok, très bien, très bien. Voilà. Là par contre, je voulais faire un backflip. Backflip. J'ai dit... Non, pas de backflip. Backflip, voilà, comme ça. Là. Là, j'assure mon coup. Très, très bien. Allez. Ok, qu'est-ce que j'ai si je prends ça? Encore deux petits fragments d'étoiles. Eh, les fragments d'étoiles, c'est cool quand même. Ok, et là... L'un de fragments d'une étoile. Et ça, ça veut dire que tu sautes par ici. Hop! Wow, nice! C'était... J'ai pas fait exprès. Bon, c'est comme d'hab, hein. C'est dès que je fais un truc épique, c'est jamais fait exprès. Faut commencer à connaître, hein. Commencer à avoir l'habitude, je crois. Ok, alors que faut-il faire? Ok, je vois si... Ok, l'étoile est par là-bas. Ok, l'étoile est là, maintenant il faut juste qu'on puisse aller la prendre. Ça fait office, non, c'est parfait. Et falla les travail. Première étoile de l'île sablonneuse obtenue. Ce qui nous fait un total de 55 étoiles. Pas mal. Je crois qu'il en faut 70 pour aller tâtonner Bowser, un truc comme ça. Ah, le goinfrelon. Bah voilà. Me disais bien. Eh ben, on va aller le voir. Je pense que la condition du goinfrelon, c'est une étoile dans toutes les galaxies sauf celle de Bowser. Bon, ça doit être ça. Bonjour, petit Luma, comment vas-tu? Diling, diling! Étoile! Tu n'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles! Je vais en manger plein!
Je veux des fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 800, je me transformerai. Et bah c'est parti, hein. Allez. Ça y est, je suis rompu. Alors on y va. Transformation. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cette nouvelle galaxie qui vient de naître sous nos yeux ébahis? Il s'agit d'abord de la galaxie du tunnel poissonneux, la planète du poisson antique. Eh moi je pensais c'est du poison. Ah merci, mais je crois que tu dois confondre poisson et poison. Oh! Effectivement, c'est ce qu'on appelle... Ok, je pense qu'il va falloir... Ah ok, je crois, il faut une carapace dorée pour ouvrir le coffre doré. Je me trompe? Parce que sinon tu prends des Koopas qui sont juste là, hein. Je veux dire, sinon tu fais ça. Mais évidemment, ça ne marche pas. Attends. Bonjour, monsieur le pingouin. Un mot à dire? Ici, c'est mon refuge secret. Il est en forme de poisson, c'est beau, n'est-ce pas? Voilà ce que j'ai à dire. Par contre... Attends, c'est dit bien... Ouais, lorsque brillera la carapace, les couvercles par contre... Les carapaces, c'est vachement bien quand t'es sous l'eau. Parce que ça te permet de nager plus vite. Et surtout, je crois qu'on en a besoin dans cette galaxie. Ne serait-ce que pour ça. Pour se frayer un chemin. Alors par contre, hein, c'est bien de se frayer un chemin, mais il faut encore l'emprunter le chemin. On va remonter à la surface, et peut-être... Ah oui, c'est vrai qu'on peut tournoyer sous l'eau, j'avais oublié. Ok. Plein de fragments d'étoiles, on va les prendre. Est-ce qu'on a fait tout le tour? Ah c'est bon, allez, on redescend. Ah d'accord, il faut qu'on trouve des fragments d'anneaux étoiles. Avec des anguilles. Alors ça nous en fait. On va commencer par ratisser le sol. Alors, j'ai du mal à comprendre comment prendre un morceau d'anneau étoile peut nous redonner de l'oxygène. Par moins que ce soit rempli de trucs oxygénés, j'en sais rien. Bon, après, encore une fois, hein, on essaie d'expliquer de la logique de jeu vidéo. La logique de jeu vidéo n'étant pas toujours très logique, des fois, c'est comme quand certains profs, tu sais, genre les profs de maths, ils vous disent ça, vous l'admettez. Allez. Passe de l'autre côté. Ah, et je vois notre objectif, la carapace brillante. Je vais juste récupérer ça. Il va juste falloir qu'on récupère la carapace brillante. Qu'on fasse demi-tour. On est arrivé par où? On est arrivé par là. Ouais, on a un tout petit. On aurait peut-être dû se faire un chemin un peu plus grand. Mais NP. Là maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est à la balancer contre le coffre. Et l'étoile est à nous. Pardon. Ah, bonjour. Ah, je ne pouvais plus respirer. Ah, Mario. En fait, je suis tombé dans ce coffre en voulant attraper une super étoile. C'était terrible. Quoi qu'il en soit, prends la super étoile que j'ai trouvée. Merci, Capitaine. Allez, prends la super étoile. Ok, il suffit de demander, mon cher Captain Toad. Et je prends la super étoile. Ah, on a un message. Ça nous fait combien d'étoiles? 56. Ça veut dire que la prochaine étoile représentera le Grand Est, mon département natal. Par mon département natal, la Moselle, dans le Grand Est. Nous allons bien sûr sauvegarder. Attends, si on est là, ça veut dire... Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est probablement Toad qui... Ouais, Toad a du courrier pour nous. Bah, vous savez quoi? Le message de Toad, je vais faire le cliffhanger de Tepu.
on va le découvrir la prochaine fois. On va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Mario Galaxy. J'espère que ça vous a plu, quel que soit votre avis. N'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir, c'est non plus. À laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La petite chanson qui vous a fait plaisir, les moments épiques et les fails avec les hashtags associés, tout ça, vous le savez. Et en attendant, la suite de nos aventures, on va d'une part découvrir ce que nous veut le taux, même si j'ai ma petite idée de ce dont il s'agit, avant de retourner dans l'île sablonneuse. Et bien en attendant tout ça, je vous remercie encore mille fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.